Vous est-il déjà arrivé de tomber d'une échelle ou d'un toit et de vous relever sans avoir mal du tout? J'imagine que oui, quelquefois. Et pourtant, votre voisin, lui, en voulant répéter la même chose, a fini à l'hôpital. Comment expliquer cela? Est-ce un coup de chance? Pourtant, vous êtes tout fin et votre voisin un peu plus charnu et beaucoup plus costaud. Comment peut-on expliquer cette différence de douleur? Y aurait-il d'autres éléments responsables de l'apparition des blessures au-delà des différences naturelles de corpulence? Eh bien, c'est là que se trouve l'intérêt de ma thèse. Je cherche à définir les limites de tolérance du corps humain face aux impacts violents comme l'explosion et un peu moins violents comme les chutes. Ou si vous voulez, je cherche à identifier le paramètre mécanique qui sera responsable de l'apparition de votre blessure et à vous dire, ou plutôt vous prédire, à partir de quel seuil de ce paramètre vous pourriez ressentir une quelconque douleur. Pour cela, je me suis rapprochée du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, où j'ai pu recueillir des données accidentelles d'hommes et de femmes sur 5 années consécutives. Ces données, je les ai triées pour retenir les cas reconstructibles numériquement afin d'identifier le paramètre mécanique, ou plutôt, qu'est-ce qui provoque votre blessure. Pour trouver ce paramètre, je dois observer ce qui se passe dans certains organes comme les poumons ou le cœur, mais ne vous inquiétez pas, monsieur, je n'ai pas besoin de disséquer votre voisin. Aujourd'hui, nous avons des outils numériques bien représentatifs de l'humain, comme des mannequins numériques, et c'est un de ces mannequins, développé au sein de notre laboratoire de recherche, que je vais utiliser pour reproduire les différentes configurations de chute données dans le dossier médical des patients. Bien évidemment, il s'agit d'un humain virtuel que vous ne risquerez pas de croiser en sortant du TBM. En tout cas, pas pour l'instant. Quelques résultats de calcul avec ce mannequin ont montré que la hauteur de chute n'est pas un paramètre discriminant dans l'apparition des blessures. Elle ne permet pas de différencier les cas blessés des cas non blessés en dessous de 5 mètres. Par contre, le positionnement du corps au moment de l'impact a un rôle crucial dans la survenue des lésions. Mais quel facteur est donc décisif dans ce cas? Quel paramètre va-t-il nous permettre de distinguer les cas blessés des cas sans blessure au-delà d'un certain seuil qu'on appelle critère de lésion? Ce paramètre sera-t-il la pression dans les organes, leur taux de compression ou de déformation? Eh bien, cette réponse, j'espère vous l'apporter prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et si vous arrivez de tomber d'un toit ou d'un arbre, pensez à la recherche, pensez à notre cher mannequin numérique et surtout, pensez à bien vous raccrocher aux branches. Merci. Il était une fois un cancer qui s'appelait hépatocarcinome. Il venait d'une province lointaine appelée Foix, mais a progressivement envahi et conquis le royaume du corps. Tout a commencé il y a fort, fort longtemps par une cellule du foie, tout à fait normale, qui à un moment de sa vie s'est modifiée. C'est la cellule cancéreuse. Cette cellule va développer en quelque sorte des super pouvoirs qui lui permettent par exemple de se multiplier très vite et à l'infini. Malgré leurs super pouvoirs, les cellules cancéreuses n'ont pas une vie facile. Dans ce royaume du corps, il existe une armée de cellules spécialisées qui patrouillent et veillent à éliminer les agresseurs. Ces gentils, ce sont les lymphocytes T, des cellules de notre système immunitaire qui nous protègent en permanence contre toutes sortes d'agents pathogènes, mais aussi contre les cellules cancéreuses. Pour échapper aux lymphocytes T, les cellules cancéreuses ont développé de nouveaux super-pouvoirs. Elles se rendent invisibles. Elles vont corrompre un type de cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires corrompues vont jouer le rôle de garde du corps des cellules cancéreuses, empêchant ainsi toute action des lymphocytes T, nos gentils qui veulent détruire le cancer. Alors, vous vous rendez compte que c'est compliqué de raconter un cancer sous forme de conte. Mais vous savez, un doctorat aussi, c'est compliqué. D'ailleurs, pour tout vous dire, le mien n'aurait jamais vu le jour sans un miracle. Alors, je dis miracle, en réalité, je ne crois pas au miracle. Je ne pense pas non plus que les médecins soient des dieux. Et pourtant, après ces 180 secondes, vous allez sans doute, tout comme moi, croire au conte. Cette histoire de cancer est réellement arrivée à un patient à qui l'on a diagnostiqué un cancer du foie, un hépatocarcinome.
Cet hépatocarcinome a été diagnostiqué à un stade très avancé, tellement avancé que les médecins ne pensaient pas pouvoir le guérir. Et donc, pour le soulager, ils lui ont donné un traitement palliatif. Et là, comme par magie, le cancer disparut complètement au bout de quelques mois. Et donc, je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Imaginons que ce traitement a empêché les gardes du corps de protéger les cellules cancéreuses, laissant ainsi libre accès aux lymphocytes T, nos gentils, qui veulent détruire le cancer. Alors, c'est une chose d'avoir levé cette barrière, mais c'en est une autre de détecter les cellules cancéreuses comme dangereuses et de les éliminer. Et bien voilà tout l'enjeu de ma thèse. Identifier ce qui est reconnu par les lymphocytes T sur les cellules cancéreuses et qui a conduit à l'élimination du cancer chez cette personne. Finalement, je ne sais pas si vous allez croire au conte, mais en ce qui concerne ce patient, je pense qu'il doit désormais se sentir un peu comme un prince, sauvé de son donjon par une armée exclusivement féminine, bien sûr, de cellules immunitaires. J'aimerais aussi rendre hommage aux fabuleux mais réels lymphocytes T qui se sont battus pour la vie de ce patient et aussi, pourquoi pas, découvrir une nouvelle kryptonite contre ces cellules cancéreuses au super pouvoir. Je vous remercie. L'adolescence. Tout le monde ici se souvient de cette période particulière qui se situe entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. C'est beaucoup de changements, dans le corps, mais aussi dans la tête. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie et en psychanalyse les remaniements psychiques et identitaires. Alors il faut savoir que la bonne mise en œuvre de ce processus dépend d'un autre élément dont on parle très peu, mais qui a toute son importance, c'est le fonctionnement familial dont fait partie un adolescent. En effet, il faut savoir que chaque famille, donc la vôtre, la mienne, obéit à un mode de fonctionnement inconscient qui lui est propre, qui dispose de rouages bien codifiés et qui va avoir une grande influence sur le développement d'un enfant ou bien d'un adolescent qui vit en son sein. Cette influence, c'est comme un système d'engrenage qui va entraîner inévitablement la construction psychique de l'adolescent. Alors bien sûr, tout dépend de la particularité de ce fonctionnement, mais en règle générale, l'adolescent va sans trop d'encombre traverser cette période particulière pour lui. Et puis, il y a des adolescents qui vont commettre des actes qui vont nous faire dire que leur construction psychique ne s'est pas faite correctement. Dans le cadre de ma thèse, moi j'ai souhaité m'intéresser aux adolescents auteurs de comportements sexuels abusifs. Alors vous l'ignorez sûrement, mais il faut savoir que près de 20% des viols sont commis par des adolescents. 40% des abus sexuels perpétrés sur des enfants sont commis par des adolescents et plus de la moitié des personnes adultes qui ont commis une agression sexuelle rapportent leur premier délit sexuel à l'adolescence. D'où l'intérêt de se pencher sur cette question à ce stade de développement, car l'enjeu, c'est le risque de la récidive. Pourtant, en France, il faut savoir qu'il y a très peu de recherches dans le domaine. Et quand il y a des études, il n'y a qu'une partie de l'engrenage qui est étudiée, c'est-à-dire celle centrée sur la construction psychique de l'adolescent. Et il y a très peu d'études qui ont cherché à étudier le système d'engrenage dans son ensemble. Eh bien, c'est là que j'ai souhaité m'impliquer, et de manière très concrète. Imaginez qu'un protocole existe et puisse donner à un thérapeute, un cliché, à un instant T, une radiographie du fonctionnement familial de ces adolescents. Avec ces données nouvelles, le thérapeute saura alors où et efficacement mettre de l'huile dans les rouages sur les zones repérées grippées. Eh bien, ce protocole, il existe, je l'ai développé et je l'ai même testé auprès de ces adolescents et de leurs familles et ça fonctionne bien. Alors, tout comme vous, quand j'entends des faits divers qui évoquent des passages à l'acte sexuel d'adolescents, ma première action, c'est d'être choquée. Mais au-delà de l'effroi, de la colère, moi je préfère essayer de comprendre que de juger, car je pense que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la récidive. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci. Nous sommes le 4 juillet 2030 à Cap Canaveral aux États-Unis. Il fait 10 degrés, le ciel est bleu, et le Major Tom s'apprête à décoller pour Mars à bord de la fusée Titan 6. Ground Control à Major Tom, est-ce que tout va bien? Ici Major Tom, je vous reçois, tout va correctement.
Tous les paramètres sont nominaux. 3 secondes avant lancement. 2, 1, ignition! Il faut savoir qu'une fusée, c'est un gigantesque cylindre rempli d'explosifs. Alors forcément, quand on allume ce genre d'engin, le niveau de bruit et de vibration dépasse l'entendement. C'est l'équivalent de plusieurs milliers de concerts de rock, ou d'un nombre infini de concerts de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon réunis, c'est vous dire. Ici Major Tom, le niveau de bruit est incommensurable, je ne m'en sors plus. Et ce jour-là, Major Tom, à part avoir perdu son esprit, a perdu l'audition. Alors nous, les chercheurs, nous avons trouvé des solutions pour éviter ce genre de mésaventure. Nous utilisons un effet physique découvert il y a plusieurs milliers d'années par les hommes préhistoriques qui s'appelle l'effet piézoélectrique. Alors c'est la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique et réciproquement. Si, vous connaissez tous, si vous prenez deux silex et que vous les frappez l'un contre l'autre, l'énergie mécanique du choc va être transformée en énergie électrique, c'est-à-dire une étincelle. Un peu vieillot ? Eh bien, nous utilisons cette technologie relativement ancienne pour des dispositifs high-tech. Nous prenons de petites tranches de ces matériaux sous forme de patch qu'on va utiliser à l'intérieur de la fusée. Alors, on crée des ceintures de patch piézoélectriques qu'on place régulièrement, donc une grande ceinture qui entoure la fusée. Eh bien, les vibrations vont être transformées en énergie électrique et avec les circuits électroniques que j'ai pu développer pendant ma thèse, on est capable de faire en sorte que les vibrations qui sont en bas de la fusée, au niveau des moteurs, ne traversent pas et soient arrêtées pour que Major Tom, qui se trouve en haut de la fusée dans la coiffe, s'en sorte correctement et puisse naviguer dans l'espace sans problème. Alors, pour l'instant, nous travaillons sur des maquettes de taille réduite pour valider la technologie, et ma thèse consiste à étudier ce type de système. Mais d'ici quelques années, si tout va bien, ce genre de technologie permettra au Major Tom d'aller vers Mars et de continuer de nous entendre sans problème. Come on! Come on! Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Les publicités nous parlent sans arrêt de la meilleure manière de se débarrasser des bactéries qui hantent nos maisons. Pourtant, il ne faut pas oublier que la maison est loin d'être le seul endroit peuplé de bactéries. D'ailleurs, l'histoire qui m'intéresse se passe dans un hôpital. Le CHU de Besançon. L'histoire commence le 5 mai 1997. Ce jour-là, un patient est diagnostiqué porteur d'une bactérie, Pseudomonas aeruginosa. À partir de cet instant, la bactérie est entrée dans l'hôpital. Elle est présente chez les patients, dans leur environnement, dans les siphons de leur salle de bain. Et puis, la bactérie fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle se transmet. Elle se transmet d'un patient à un autre, de l'environnement à un patient, d'un soignant à un patient. Malgré les efforts du personnel hospitalier pour arrêter la propagation, celle-ci se poursuit. Il va y avoir plus de 300 cas. Et ce, en 17 ans. Finalement, c'est le 2 juin 2014 qu'est diagnostiqué le dernier patient porteur de cette bactérie. Depuis, aucun nouveau cas n'a été détecté. La bactérie a complètement disparu. Mon travail de recherche est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors comprendre d'une part comment la bactérie a pu survivre aussi longtemps dans un milieu comme l'hôpital, avec la quantité d'antibiotiques que cela implique, et d'autre part, essayer de comprendre pourquoi cette bactérie a finalement disparu. Pour ça, je reprends l'enquête depuis le début et je vais m'intéresser aux indices collectés pendant 17 ans. Ces indices, ce sont les bactéries prélevées chez les patients et conservées depuis dans un congélateur. Ce qui m'intéresse dans ces bactéries, c'est leur génome, c'est-à-dire l'ensemble des informations qu'elles contiennent. Bon, je vais vous passer les détails, mais en fait, ces génomes, je vais les obtenir sous forme de gros fichiers informatiques. Et attention, hein, quand je dis gros, c'est plusieurs millions de lignes chacun. En fait, pour tout vous dire, mon quotidien se résume à des programmes informatiques et des lignes de code.
Si vous voulez vraiment voir, ça ressemble à ça. Alors, ce qui va m'intéresser dans ces génomes, c'est plusieurs types d'informations. Donc, avec l'informatique, je vais aller rechercher les informations qui ont un lien avec la résistance aux antibiotiques pour comprendre comment la bactérie a survécu dans l'hôpital. Et ensuite, tout ce qui a trait à la virulence, c'est-à-dire la capacité de la bactérie à infecter son hôte. Avec ces informations, j'espère répondre aux questions que je me pose. Pourquoi la bactérie a survécu si longtemps? Et la deuxième, pourquoi elle a finalement disparu? À terme, j'espère également empêcher que ce genre d'histoire ne se reproduise à l'avenir. Mais attention, l'affaire ne sera close que lorsque j'aurai terminé d'explorer toutes les pistes. Merci. Un, deux, trois, 17, 25, 39. Si je multiplie l'ensemble par la surface de la salle et que je divise par le volume du bâtiment, je dirais, avec toute la conviction du monde, que la plupart des personnes présentes ici possèdent un smartphone. Et si c'est le cas, vous faites partie des 1 milliard de possesseurs de smartphones dans le monde, et comme 80% d'entre elles, vous êtes confrontés au fameux problème de l'autonomie de batterie. Et oui, on va finir tous un jour par devenir des névrosés de la batterie. Exactement. Et si je vous dis que dans un avenir très proche, relativement proche, nous pourrons recharger nos téléphones sans dépendre d'éléments extérieurs d'énergie, à savoir le chargeur et la prise de secteur, uniquement et tout simplement en marchant. Et oui, madame. Et oui, monsieur, en marchant. Et tout ceci grâce à la piézoélectricité. Bien que le terme semble bien compliqué, le principe demeure très simple. Pas besoin de faire un bac plus 8 pour comprendre le concept. Un bac plus 7 devrait suffire. Pour les autres, vous piquez la salle. Je vous rassure, rien n'est plus simple. C'est tout simplement la propriété que possèdent certains matériaux dits piézoélectriques, merci madame, à convertir une contrainte mécanique en signal électrique et vice-versa. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux de ma thèse, à savoir élaborer un capteur de force piézoélectrique capable de convertir une contrainte mécanique en signal électrique, le tout sous forme de couches très, 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 très fines. Accrochez-vous, c'est de l'ordre du nanomètre. 10⁻⁹ mètres. 0,00000001 mètre. Pourquoi en couche mince? Parce que tout simplement, c'est moins encombrant, plus onéreux, tout en garantissant une fiabilité accrue, et c'est très attractif pour nos chers amis, les industriels. Par quel procédé? Par ce qu'on appelle la pulvérisation cathodique magnétron. Désolé, on n'a pas trouvé plus simple, et à un moment donné, il fallait faire compliqué pour faire scientifique. Alors une fois que le capteur soit élaboré, on va l'introduire dans une semelle de chaussures, raccorder quelques éléments pour pouvoir connecter l'énergie issue de la pression de vos pas sur le sol et la transmettre à votre téléphone. Bon, je vous ai parlé des détails parce que premièrement, c'est compliqué et deuxièmement, c'est confidentiel. Je ne pourrai pas tout vous dire. Je suis surveillée. Je les sens. Ils sont là. Mesdames, messieurs, votre mission, si vous l'acceptez, est de transmettre à l'humanité le secret de cette nouvelle forme d'énergie, la piézoélectrique, capable à elle seule de sauver l'humanité d'un blackout énergétique. Ce message s'autodétruira dans quelques instants. 2, 1. Un octogénaire est mort dans la salle à manger. On a retrouvé une rondelle de carotte dans son estomac. Un doctorant a été appelé pour mener l'enquête. Le doctorant, c'est moi. Première étape, recueillir les indices. Pour cela, je fais venir des personnes âgées dans mon laboratoire. Ouvrez la bouche, madame. C'est ça, bien grand. Et hop, me voilà en immersion dans la bouche des seniors. Je compte le nombre de dents, je mesure le flux salivaire, j'observe même l'érosion des dents. Je dresse ainsi la carte d'identité buccale de chaque senior. Enfin,
Elle tient souvent de la carte géographique, carte des reliefs, bassin d'hydratation et même la flore en dépistant les mycoses. Deuxième étape, la reconstitution du meurtre. Je demande à ces mêmes personnes âgées de mâcher un morceau de carotte et de le cracher. Madame, vous mettrez la rondelle en bouche, vous mastiquerez pendant 2 minutes, puis vous cracherez dans mon bécher. Pas très glamour, me direz-vous. Mais très instructif. Si certaines rondelles ont été réduites en purée de carottes agglomérées avec la salive, d'autres ont à peine reçu 3 coups de dent. À partir de ces données, j'établis des corrélations entre les cartes d'identité buccale de mes témoins et leur capacité à dégrader la carotte en bol alimentaire. Enfin, j'identifie le coupable, le mauvais état bucco-dentaire. Les résultats sont sans appel. Quand on vieillit, la mastication et la salivation deviennent moins efficaces. À cela, 3 conséquences. Les personnes âgées risquent d'avaler les aliments tout ronds et de s'étouffer. Les aliments sont moins bien dégradés, donc moins bien digérés. Enfin, les personnes âgées évitent les aliments difficiles à mâcher et donc appauvrissent leur répertoire alimentaire. Au final, les personnes âgées qui ont un mauvais état bucco-dentaire risquent de ne plus manger à leur faim, de perdre du poids, de se dénutrir, de tomber malade. Mais comment faire pour que les carottes ne tombent pas dans la délinquance ? Comment faire pour que les personnes âgées continuent de manger avec plaisir et sécurité, malgré la perte de dents, les dentiers mal fixés, le manque de salive ? Là encore, on compte sur moi pour développer des recettes afin d'adapter la texture des aliments aux problèmes rencontrés chez les personnes âgées. Et ainsi, permettre à Mademoiselle Rose de continuer à manger des carottes râpées sans que celle-ci ne se coince sous son dentier. Ou au colonel Moutarde de prendre toujours autant de plaisir en mangeant un bon steak de viande. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je me suis fixé un objectif ambitieux, parler de maths. Non, ne fuyez pas. Je vous garantis que ce ne sera pas douloureux. En fait, je vais même vous montrer qu'un mathématicien n'est rien d'autre qu'un adulte qui a su rester un enfant. Quand j'étais enfant, j'aimais explorer les cabanes abandonnées. Bien maintenant, je continue d'explorer, mais d'explorer des mondes créés par la pensée. Et je vous invite à m'accompagner dans un de ces mondes. Alors, nous connaissons tous l'addition depuis notre plus tendre enfance. C'est elle qui nous permettait de savoir combien de pièces donner à la marchande pour avoir une réglisse et deux carambars. Et elle, encore aujourd'hui, nous permet de faire nos comptes et malheureusement de payer nos impôts. Alors, nous sommes tous certains de bien la connaître. Nous sommes tous certains, par exemple, que 1 plus 0, c'est la même chose que 0 plus 1. Bien, le mathématicien, lui, va se poser la question de savoir pourquoi il ne pourrait pas en être autrement. De savoir s'il n'existerait pas des objets que l'on pourrait combiner de manière semblable à l'addition et où certaines règles ne seraient plus vérifiées. C'est ainsi que les mathématiciens ont inventé la notion de groupe. Un groupe, alors bien sûr, ce n'est pas ABBA ou les Rolling Stones, mais un groupe est un ensemble d'objets que l'on peut combiner comme l'addition, mais où l'on n'a plus forcément que A plus B est égal à B plus A. On dit que l'on n'a plus de commutativité. Alors, prenons un exemple de groupe. Si je prends ma main, je peux la tourner dans différents sens, et je peux également prendre son image par le miroir. Eh bien, l'ensemble de ces transformations va constituer un groupe. Car je peux par exemple tourner ma main dans un sens, puis prendre l'image miroir, et je dirais que j'ai additionné les 2 transformations. Et voyez que si je fais les transformations dans l'autre sens, eh bien le résultat n'est pas le même. On voit bien la non-commutativité. Alors, lorsqu'on a un groupe, on souhaite pouvoir le comprendre de manière fine. Comment est-ce que les éléments se combinent entre eux? Et on prend quelques-uns des éléments. Est-ce qu'ils adoptent ensemble un comportement collectif, etc.? Eh bien, pour pouvoir explorer un groupe, la meilleure stratégie peut être de s'y promener au hasard. Imaginez que vous ayez un château à explorer. Alors oui, on n'est plus des enfants, on est passé de la cabane abandonnée au château. Eh bien, la meilleure stratégie pour explorer le château, si vous n'avez pas de plan à disposition, c'est peut-être d'y entrer et de vous y balader au hasard suivant vos envies. Parfois, vous rencontreriez un cul-de-sac et vous devriez faire demi-tour. Parfois, vous auriez le choix entre différents couloirs, mais au bout d'un moment, vous finiriez par avoir tout exploré. Eh bien, la stratégie est la même dans le cas des groupes. Dans ma thèse, je m'intéresse à des objets encore un peu plus exotiques que les groupes, des choses qu'on appelle les groupes du haut,
n'ont pas encore été beaucoup étudiés par les mathématiciens. Ils sont très similaires au groupe, mais simplement, d'une certaine façon, on a poussé cette non-commutativité un cran plus loin. Et ce sont donc ces groupes duos que j'explore en m'y promenant au hasard. Et au moins ainsi, je cours moins de risques en explorant un château, car je ne risque pas d'y rencontrer de fantômes. Merci. Vous est-il déjà arrivé d'avoir décidé de faire quelque chose et puis d'y renoncer, par peur d'avoir mal? Vous étiez prêt à passer à l'acte et puis, et bien finalement, au fond, vous avez tout de même la crainte de souffrir. Tout simplement parce que vous n'êtes pas certain de ce qu'il va se passer. Pensez à un plongeon d'une bonne hauteur et alors, et bien à la peur du plat. Pour ne pas avoir peur, il faudrait connaître l'issue de ce plongeon et alors, eh bien, voir dans l'avenir. Et ça, c'est un sacré rêve, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, nous allons continuer sur cette histoire de plongeon et de voir dans l'avenir, et pour ce faire, je vais vous parler de mécanique. Alors là, certainement vous demandez, mais quel est le rapport entre un plongeon, l'idée de voir dans l'avenir, et puis la mécanique? Eh bien, tout simplement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais au fond, eh bien, la mécanique est présente à peu près partout. Alors, je vais vous convaincre. On va regarder une échelle plutôt grande, on va regarder le ciel. Et puis, tiens, nous remarquons qu'au fond, eh bien, les astres bougent. Ça, c'est la mécanique céleste. Faisons alors le chemin inverse et regardons plutôt au plus petit possible pour voir si un électron passe ou ne passe pas par là. Et là, on vous dit que c'est la mécanique quantique. Alors, si on est plus terre à terre, il suffit simplement de regarder autour de nous. On voit un arbre, on remarque une pomme tombe et puis il s'écrase sur le sol. Ou alors vous, jouez au billard et vous essayez de voir les différentes directions et chocs que prennent les boules. Eh bien, là, c'est la mécanique classique. Et même pour notre heure de plongeon, eh bien, c'en est. Ce qu'il y a de beau avec cela, c'est que nous avons développé des tas de théories qui reposent sur de belles équations. Disons globalement, les équations de la mécanique. Et si nous sommes en mesure de résoudre ces équations, alors je vous le dis, nous pouvons prédire l'avenir. Un exemple que vous connaissez tous, mais on ne se doute pas que la mécanique est présente. C'est la météo. C'est une prédiction des temps à venir. Eh bien, pour faire cette prédiction, surprise, surprise, il faut résoudre les équations de la mécanique. C'est dans ce sens qu'est tournée ma thèse, l'idée de savoir, de comprendre ce qu'il se passe ou se passera, par contre, pour des situations beaucoup plus extrêmes que la météo, des impacts. Situation si extrême qu'une boule bien rigide d'acier pourrait s'écraser et s'écouler contre un mur. Ou votre corps, qui est plutôt élastique, va lui avoir le même comportement que l'eau. Mon travail consiste à développer un code de calcul ou appelé hydrocode, basé sur une méthode mathématique particulière. En somme, je travaille avec des petites particules me permettant de résoudre les équations de la mécanique. Appliquées à des phénomènes si courts qu'ils durent moins d'une milliseconde, l'instant même où votre corps va taper contre l'eau. Grâce à ce travail, je vais pouvoir voir ce que pourraient subir vos tissus, à quelle vitesse ils pourraient se déformer, et ainsi alors estimer votre potentielle douleur. Et alors, disons, tel un maître nageur qui, cette fois-ci, eh bien, connaîtrait l'avenir, eh bien, vous rassurer, vous conforter, vous dire que dans cette situation, il n'y a aucun risque, et alors maintenant, c'est à vous, eh bien, plongez. Vous souvenez-vous de votre dernier baiser? Vous souvenez-vous du jour où vous avez appris que Paris était la capitale de la France? Et enfin, vous souvenez-vous de ce à quoi vous pensiez il y a moins d'une minute? Vous avez peut-être eu du mal à répondre à certaines de ces questions, étant donné que certains de ces souvenirs sont plus difficilement récupérables en mémoire que d'autres. Rassurez-vous, c'est totalement normal. En effet, nous n'avons pas un seul système de mémoire, nous avons plusieurs sous-systèmes de mémoire. Par exemple, vous utilisez un système de mémoire particulier lorsque vous essayez de retrouver votre place de parking au supermarché avec votre voiture qui n'arrête pas de changer de place à chaque fois que vous avez le dos tourné. Et vous utilisez encore un autre système de mémoire lorsque vous vous mettez à conduire cette voiture que vous avez enfin retrouvée. Et justement, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à ces différents systèmes de mémoire dans le cas de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui va attaquer directement la zone du cerveau qui est responsable des principaux mécanismes de mémoire. Mais la maladie d'Alzheimer ne se résume pas qu'aux troubles de la mémoire. La plupart des patients qui présentent cette maladie ont aussi ce qu'on appelle une anosognosie.
C'est un mot que vous aurez sûrement oublié avant la fin de ma présentation, mais je vais quand même vous le définir. Ça signifie en fait que les patients qui ont cette maladie n'ont pas conscience de leurs troubles, entre autres de mémoire. Et ça, aujourd'hui, on sait que ça va rendre vraiment difficile la prise en charge avec les patients, parce que, pour vous illustrer, pourquoi est-ce que vous iriez chez le médecin si vous ne vous rendiez même pas compte que la centaine de boutons qui est apparue sur votre corps était le symptôme d'une bonne vieille varicelle ? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien comprendre la conscience du trouble avant même de prendre en charge la maladie. Le concept de connaître sa mémoire, ça correspond à la métamémoire. La métamémoire, ça va regrouper toutes les connaissances qu'on a sur notre propre mémoire, comme savoir qu'on va mieux retenir une information en l'écrivant ou en la chantant sous la douche. Les spécialistes pensent qu'on aurait en fait une métamémoire qui serait commune à tous les sous-systèmes de mémoire. Pourtant, avec les patients Alzheimer, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément le même degré de connaissance de chacun de leurs sous-systèmes de mémoire. Donc, c'est pourquoi l'hypothèse dans le cadre de ma thèse, ce serait de voir en fait si on aurait une métamémoire qui serait propre à chaque sous-système de mémoire. Donc, en d'autres termes, j'essaye de voir si les patients ont conscience que certaines de leurs mémoires sont préservées alors que d'autres sont altérées. Pour faire ça, j'ai créé une batterie de tests qui évalue les différents types de métamémoire et que je fais passer à mes patients du CHU de Dijon. Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment soigner cette maladie. C'est pourquoi c'est vraiment important de bien la comprendre avant même de la prendre en charge. Si j'étudie ces mécanismes de mémoire, c'est pour essayer de mieux la comprendre, pour aider les patients et les aidants, et aussi pour donner des pistes de soins adaptées aux médecins et aux psychologues. Donc j'espère que tout ça a été clair pour vous et que vous vous souviendrez de moi au moment de voter. Merci.